Hello guys, salut les amis, je vais encore faire un shooting avec mon meilleur photographe et accompagnateur et meilleur ami et tout ce que vous voulez. Meilleur pilote aussi. Ah non non non, ça. Mais c'est pilote et moi qui pilote. je lui ai juste dit, chouchou, j'ai un shooting à faire avec cette tenue et je te laisse faire le reste. Et là, il m'amène, je sais pas où, je lui fais confiance parce que tous les cas ça va péter. Et j'y fais confiance. Et regardez, je suis désolée, mais j'ai trop d'aide mon make-up. En fait. Ah, j'adore la boutique des souvenirs. Tourne-toi. On est enfin rentrés, je suis KO. Edgar, il est parti faire une sieste. Moi, je vais terminer le vlog. Parce que, voilà, il est temps qu'on le termine, ce vlog. Et... je vois qu'il y a plein de personnes qui me demandent « Oui, tu recommences quand à bosser ?» etc. Dont mes proches. Hein. Mais en fait, dites-vous que par exemple, en septembre, j'ai aucun genre jour off, jour de repos. Je fais plein de trucs. Et les seuls jours de repos que j'ai, bah, c'est des journées où je dois tourner pour les placements de produits. Et puis vous savez, quand vous êtes maintenant dans l'influence, bah, vous devez toujours être... au courant des tendances, etc. Ce qui fait que vous passez pas mal de temps sur votre téléphone. Mais genre, je pense au mois de septembre, j'ai peut-être une semaine, 7 jours off. Et les 7 jours, bah, j'ai plein de placements à faire. Et c'est des placements que je kiffe. Il y a vraiment de sport, des maillots de bain, des produits de beauté, etc. Et que je vais vraiment prendre le temps de tester et de partager, surtout que bah voilà, on me paye, donc c'est un boulot, donc il faut vraiment les choses bien. Et et en fait, bah, j'ai pas le temps pour bosser pour le moment. Mais des fois je me dis, imagine Cindy, juste imagine si tu bosses, tu fais tes placements de produits genre quand tu bosses. Et en gros, quand tu as un tournage, tu fais ton tournage, les placements de produits et tout. Sauf que il faut recevoir les placements de produits. Donc, il faut être là à la bonne date, etc. Et je me dis, imagine juste si j'ai le salaire que j'avais avant, plus l'art de maintenant. Et franchement, des fois, ça me manque trop de travailler. Je kiffais mon travail. Je voyais des gens partout. J'avais des amis au Nigeria, à Cape Town, à Londres, à Las Vegas, New York, c'était trop bien. Et puis je gagnais très très bien ma vie. Et je me dis, bon, c'est un nouveau chemin, mais est-ce que je pourrais pas faire les deux? Mais pour l'instant, c'est pas possible, mais je pense que dès que j'ai un peu de trou, genre moi où je fais rien, bah, je bosse, mais. Ça me manque des fois. Je pense pas du tout, mais du tout, arrêter de bosser après, genre, une télé. En fait, j'aurais jamais imaginé qu'une télé pouvait apporter autant d'opportunités. J'aurais jamais non plus, en fait, imaginé que ma première télé, je serais restée, genre, aussi longtemps, mon expérience serait aussi bien et que j'aurais eu bah, des opportunités de la télé après. Parce que bah, des opportunités dans la télé, bah, maintenant j'en ai. Et alors j'en ai, mais faut savoir que bah, je suis toujours liée à Edgar. Edgar veut pas faire de télé, veut plus faire de télé, en tout cas pour le moment. Et en tout cas, même s'il en voulait une, il est occupé pour les prochains mois. Donc bah, les portes se referment, il y en a quelques-unes qui se referment. Et des fois, c'est un peu chiant. Alors là, c'est que de la télé pour le moment, mais de tout temps être assimilé à quelqu'un, c'est-à-dire que si elle n'est pas disponible, bah, tu ne peux rien faire. C'est pas, ça, c'est bien dans le monde perso, mais dans le professionnel, moi, je ne peux pas accepter que mon avenir professionnel dépende de quelqu'un. Ça, c'est horrible pour moi. J'ai toujours été super indépendante, etc. Et c'est pour ça que bah, dans les opportunités que j'ai de me montrer seule, et ben, je vais me donner à fond. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Et enfin bref, les amis, j'ai un problème.
En fait, j'avais un appareil dentaire, j'ai porté, je pense, 3 ans, quand j'étais jeune en Martinique. Et en fait, ils me l'ont retiré et ils m'ont mis des fils de contention en haut et en bas. Sauf que les deux fils sont cassés parce que je mange tout le temps des bonbons. Et vous savez que mes dents, elles bougent toujours. Genre, depuis que. En fait, j'ai des gouttières. Mais je mets plus les gouttières. Genre, je crois que je les mets plus depuis Love Island. Et en fait, mes dents, elles avancent. Genre, alors que ça fait, genre, pense, 10 ans maintenant. Non. Ah, bah ouais, 10 ans, je pense. Que j'ai plus mon appareil et mes dents avancent. Genre là, je mets plus la gouttière et toutes ces dents-là, elles étaient super alignées et maintenant elles sont plus du tout alignées. Et ici aussi, genre, ça s'avance. Et faut que je remette les gouttières, mais sauf que je pense que les gouttières, elles sont dépassées là, c'est plus du tout mes dents. Du coup, faut que j'aille encore chez le dentiste.